Il a une femme. Et ensuite, il meurt. Voilà, il meurt avec la mort, sa fin. Mais Allah, il n'a ni début ni fin. Les attributs, Il n'y a c'est que pas les lui qui. 99 noms dans la room, là, on me dit. On parle de 99 Non, noms. c'est différent, Bastien, c'est différent. Différent. Les 99 noms, Enfin. on l'entend souvent pendant le mois Ah du non, c'est pas Ramadan. différent. On Non, l'entend. excuse-moi, c'est pas différent, ça. Les noms sont les attributs de Dieu. C'est vrai. Pas Ok, différent. d'accord. Ouais. Non, Par les exemple, gens. le miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est un attribut d'Allah, tu vois. Oui, les gens là qui disent ils maîtrisent pas. Non, c'est vrai qu'ils maîtrisent pas le sujet, mais son sujet est très intéressant. Il est très Non, mais intéressant. écoutez, moi, je suis à la recherche de la vérité. Si je me trompe, prouvez-moi que je me trompe, je me rectifierai, Inch'Allah. Mais Rouya, tu cherches la vérité dans quel sens, frérot? Tu cherches la vérité scientifique ou religieuse? Alors écoute, tu vas comprendre, là, je vais te dire, tu vas comprendre. Moi, j'admets, je crois et je dis que l'islam, c'est la vérité, Oui? que le prophète Mohammed et ses compagnons étaient sur la vérité. Mohamed Je sallallahu l'admets, alayhi ça, et je le crois. Ça fait wa partie de ma croyance, toi. Par contre, je m'interdis de dire que je suis sur la vérité. Il faut pas le dire. Ah, Je ne sais très pas si je suis sur intéressant. la vérité. Très Par intéressant. contre, j'invoque Allah, donc la divinité unique dans laquelle je crois sans lui restant rien lui associer. Je l'invoque pour qu'il me guide sur son chemin droit, tu vois. Frérot, j'ai une vraie question à te poser. J'en ai parlé à la radio, là, une époque, où même moi, je m'étais posé la question. Donc, on se pose tous la question parce qu'on est humain, on est faible et tout. Donc, toi, tu es prêt à dire que si demain, une religion, même qui sort de nulle part, hein, qui te prouve A plus B qu'elle détient la vérité dans tes recherches dans l'astronomie, tu penses que tu pourrais être intéressé par cette religion-là? Attends, répète-moi s'il te plaît. Est-ce que, par exemple, si demain une religion sort ou une Ouais. autre religion te prouve la vérité D'accord. scientifique que tu cherches sur l'astronomie, est-ce que tu serais capable d'être intéressé plus par cette religion-là? Ben écoute, il est connu qu'en islam, si je ne me trompe pas, il est connu qu'on accepte la vérité de quiconque, même d'Iblis.